Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 250 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui à Spaceman Sparkle. Et je voulais noter qu'on était à l'épisode donc 250 de Stage One, 250 vidéos. Voilà, même s'il y a eu une trêve entre temps, waouh, 250 jeux, ça fait 250 jeux différents que j'ai joué. Donc je, voilà, c'était important de le marquer. On est parti pour Spaceman Sparkle. Hop, play. Et vous allez, je vais essayer de vous expliquer comment ça se joue au clavier et à la souris. Alors, je sais pas si vous entendez le son. En tout cas, voilà, j'ai configuré les touches parce que par défaut c'était du... voilà, téléport sword acquired, donc ça va me permettre de me téléporter. Donc on est un petit bonhomme, c'est vraiment pixelisé. Hein. C'est un jeu qui doit pas peser très très lourd, ça me permet de me téléporter. Si je clique droit, ça me téléporte. Après j'ai une petite barre où il faut, je peux plus me téléporter, et hop, je peux le refaire. Je peux me téléporter. Donc vous voyez qu'il y a quand même des petits bugs parce qu'on voit quand même à travers les plateformes, on voit les étoiles. Il faut savoir que je ne peux marcher uniquement que sur les plateformes violettes. Donc ce qui est normal, c'est en fait je peux pas aller plus loin si je me téléporte pas. Voilà. Donc on va y aller et on va se téléporter dans le transporteur que vous voyez ici, qui est très joli et qui pourrait faire pâlir un épileptique. Bon voilà. Donc on est parti. Alors le niveau musique, c'est très simple. Alors je peux normalement interagir avec les objets. Téléport upgrade. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Téléport upgrade, lower cooldown, 1000 gold. Je sais pas du tout. Je sais pas comment choisir. Ok. Donc je me suis téléporté dans le vide, donc je sais pas du tout comment ça peut marcher. Alors bah du coup c'est juste un petit bonhomme. On va se re-téléporter. On va aller dans celui-là. Et voilà, on est parti. Donc maintenant. En fait on sait pas ce qu'il faut faire. Donc on va continuer le chemin. Et puis on va voir ce qu'on peut faire avec les... This switch is pretty comfy. You know, this is done, try it or something. Alors, faut que je regarde comment je peux interagir. Alors, interact, c'est E. Non, c'était pas ça, c'était... Interact, c'est... C'est une très très bonne question. Je ne sais pas, j'ai dû mettre une touche à la con. Ah non, ça doit être ça, c'est interact, c'est... C'est ce que j'ai fait. Parce que du coup, voilà, pour configurer, il faut faire échappe, il faut faire rebind, et en fait, vous allez il va demander chaque touche, enfin chaque moment avec quelle touche vous voulez configurer. Alors là, ça me permet de revenir sur la carte. Là, ça me permet de revenir sur l'autre. Hop là. Donc je me transporte, donc c'est assez rapide à faire des actions dessus. Par contre, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Donc voilà. On voit la carte ici. Que faut-il que je fasse? Alors, je vais essayer de me téléporter sur lui. On va voir où c'est que ça m'emmène. Ouh, à travers les paysages. Not ready. Ok, notre ready par rapport à quoi, je sais pas. En tout cas, il n'y a rien à faire ici pour l'instant. Yep. Yep. Allez, on continue notre petit chemin. Je sais pas du tout où c'est qu'on va. C'est juste un peu long de se déplacer. Yep. Alors du coup, on va le faire un peu en mode téléportation. Ah, ok, donc je peux pas y aller. Parce que si j'y vais, bah là, je meurs. C'est rouge. Et rouge, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. C'est synonyme de mort. Hop. Alors, c'est long. Donc, on remarque... Bon, bah, en description du jeu, on est en mode vue du dessus. C'est du 2D, hein, pur. Enfin... Oui, si, c'est du pur 2D.
On peut avoir l'impression que c'est du 3, mais en fait c'est du 2. Et donc on est dans l'espace. On est sur un jeu qui est donc de quel type? C'est une très 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 bonne question, je ne sais pas. Quelle gêne est la réponse malheureusement? Ouh putain, j'ai failli mourir. Et hop, alors là, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Always go north. If you can't go north. Si je peux pas aller au nord, je vais au sud-est. Sud-ouest, est. Ok. Or ouest. Il est con. Si tu peux pas aller dans le nord, tu vas au sud-est. Ok, donc je suis vachement aidé. Hop, on va aller plus vite comme ça. Qu'est-ce que c'est? A dude lost to his cat. Catastrophe. Ouh, il a disparu. Notice a great view. Wouldn't you agree? I know I would. Ok. Eh ben c'est bien. Alors voilà. Puis on va aller là-haut. Hein, voir ce qu'il y a là-haut. Ah non, ah non, non, ah non. Alors ça c'est... Ah non, c'est pas bien ça. On va se téléporter, ça va plus vite. Parce que finalement c'est un peu là d'où je viens. YOLO. Hop, my friend is missing. He was here. No, no, he's gone. Qu'est-ce qu'il fait ce truc? A dead lost his cat. Catastrophe. Il disparaît et quand je vais là-haut. He's missing. Ok. Alors pour l'instant je peux pas faire plus de choses que ça. En fait je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse en fait. Et c'est un peu compliqué. Parce que là si je vais, je vais mourir. On va aller au nord. Enfin au sud. On va descendre. On va voir ce qu'il y a de beau. Rien du tout. Voilà voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, c'est bien. Hein, si je peux pas aller au... si je peux pas aller au nord, je vais au sud-ouest. Et sinon, je vais à l'autre côté. What the fuck? Qu'est-ce que je viens de faire? Ça a changé un peu des choses ou pas? Ça a juste mis un transporteur au milieu. C'est un peu toujours pareil. Ah. Pas réussi à le choper. Attends, on va mourir. Ça va plus vite. Donc si je retourne là, j'imagine que je reviens. Pas du tout là où j'étais tout à l'heure. Ok. Alors, c'est parti pour un jeu hardcore. Ok, ok. C'est un jeu what the fuck. C'est un jeu what the fuck, ça. Un jeu what the fuck. C'est un jeu de l'orjo. Ok, vous vous rendez compte à quel point c'est dur? En fait, c'est un jeu... En fait, je crois bien que c'était un, c'est un jeu hardcore, en fait. C'est fait exprès d'être un jeu hardcore de vous. Je crois que c'était fait exprès.
C'était fait exprès. Oula, c'est du gold, ça c'est de l'argent, Nexa. Laser gun, Akired. Ok. J'ai gagné un laser. Je suis content. Alors, est-ce que je peux faire des choses maintenant avec lui? Téléporte grade. Ok, je peux rien faire de plus. J'ai upgradé mon téléporteur. Alors du coup, j'ai un deuxième endroit où aller. Là. Ici. Attends, j'ai un laser, je suis trop content. C'est quoi ça? Ok, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Admettons, et ça c'est quoi? Oui. C'est qui ça? Oh, what's got tons of friends? Okay. Interact. On peut pas. Est-ce que ça fait quoi si je vais là-bas? Yo. Et yo. Voilà. Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis. Tu. C'est quoi ça? Hop. Hop. On est à fond là. Oula, on est à fond. On peut toujours pas interagir avec ça. Je sais pas à quoi servent tous ces dessins. Ok, je suis revenu exactement là où j'étais, hein, évidemment. Donc j'ai bien perdu mon temps. Ah tiens, un autre bonhomme. I don't like that. I run away. Ok. Allez, on y va. On est fou. Oh putain. Encore un bonhomme. C'est de la lave. Ah d'accord, c'est de la lave. Ok. Oula, qu'est-ce qu'il va me dire lui? The end. Ok, on peut leur allumer le bout. Donc je vais allumer le bout des statues que je croise. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Enfin, je crois bien. Alors c'est un jeu complètement atypique quand même. Hein. J'ai pas souvent joué à des jeux comme ça. Hein. On est d'accord. Il me semble que j'avais croisé d'autres petits bonhommes, ici, là. Attention de pas toucher. Et yolo. Yolo. Où est-ce que c'est? Est-ce que je peux interagir avec ça? Non, je peux rien faire avec ça. Ok. Donc en fait, je suis pas du tout au même endroit que tout à l'heure. On sera d'accord pour se le dire. Donc je sais pas ce qu'il faut vraiment, réellement faire. Est-ce qu'il faut allumer le feu au petit bonhomme là? Parce que du coup là, je devrais pas tarder à croiser mon petit bonhomme de tout à l'heure. Yo. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça a un impact? Peut-être. Ouais. Ça a peut-être un impact. Alors je vais essayer de deviner ce que c'est avant qu'on finisse ce test. Non. Ok, donc ça c'est juste pour allumer ça. Donc là, ça pue l'ennemi ça. Ok.
Il faut pas mourir, interdit. Il est interdit. Ouh, je l'ai tué. Yo. J'ai gagné le money. Donc en fait, voilà, on sent. Big Hammer Accurate. Hammer, ah. Donc ça doit être... QWERTY, ça doit être le... Oui, non. Il est où le A? Ok. Ouh, c'était le 1, c'était pas le A. Donc là, j'ai mon pote. Alors, qu'est-ce que je veux, les mères? On va prendre un... Lower cooldown, twice the hammer. Donc en gros, j'ai un gros marteau. Donc c'est téléporté ici et on va arrêter notre test sur ce niveau-là. Voilà, je vous laisserai découvrir par vous-même. Alors, je le trouve sympa ce jeu en fait. Il doit y avoir plein de trucs cachés, il doit y avoir plein de trucs à faire que je sais pas forcément. Du coup, ce nom, il est cool. Voilà, il est cool. Il est pas énormément beau graphiquement, mais la logique est sympa. Ça doit pas être très compliqué à faire, un jeu comme ça, je pense. Voilà. En tout cas, il a le mérite d'avoir trouvé une bonne trame, quoi. Allez, il y a plein de trucs. Allez, c'est quoi ce lapin là? C'est le chat de l'autre, non? Ouais, c'est le chat qui l'a paumé. Hein. Attends, juste pour le fun, on va lui ramener. Enfin, si je peux, si c'est possible. Non, je sais pas. Bon, on va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer. Si vous avez pas aimé, n'aimez pas. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !